Bonjour, moi c'est Petit Point, ton ami. Ton ami va t'apprendre à faire UTBAP Worms WMD. Donc allez, c'est parti. Donc pour cela, il te faut GIMP, un logiciel comme Paint en fait, mais il est mieux. Donc voilà, tu prends GIMP. Alors tu ouvres une image avec GIMP, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de l'afficher à l'écran très rapidement. J'ai pas envie que ça dure. Voilà, super. Nous avons GIMP d'ouvert. Bon, pour ouvrir la boîte d'outils, c'est CTRL B, hein, si t'as pas envie de te prendre la tête. Donc tu zoomes. Quand tu considères que c'est assez bien zoomé, tu prends la baguette magique. En haut, il y a fichier, édition, sélection, affichage, image, calque, couleur, etc. Tu vas dans calque, tu vas dans transparence et tu fais ajouter un canal alpha si ce n'est pas fait dans l'image. Voilà. Une fois que tu as un canal alpha d'ajouter, tu cliques avec la baguette magique et voilà, hop, hop, tu choisis les endroits que tu veux enlever. La transparence, ce sera où les verres pourront se déplacer dans Worms. Donc en gros, voilà, hein, là on se prend vraiment pas la tête, on fait une map vite fait, hein, je veux dire, bon, de toute façon elle est bien, voilà, pas besoin de se prendre plus la tête. Hein. En bas peut-être, ouais, on va laisser un peu de vide, ouais, voilà, on va prendre le rectangle, enfin le carré, et nous allons choisir ce qu'on supprime, et on fait supprime. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que l'image est toute prête et tout. Ah bon, alors vous la sauvegardez bien sûr, hein, enregistrez, vous la foutez quelque part. Après, vous faites exporter as en PNG bien sûr. Donc vous la mettez à un endroit encore où vous ne pouvez pas la perdre. Voilà, vous faites remplacer, parce que moi elle existait apparemment. Ah oui, c'est normal. Voilà. Donc maintenant. Bon, merde. Voilà, je vais la réouvrir avec GIMP. Mais le plus important là maintenant, c'est de faire le fichier, nouvelle image. Et là, en largeur, on va mettre 8192 et en hauteur 4096. Donc ça, ce sera la taille, c'est la taille voilà, officielle des stages Worms WMD. Donc je répète, 8192 fois 4096 en pixels. On clique sur Options avancées. Hein, quand on ouvre la nouvelle image, en bas, il y a Options avancées. On va dans Remplir avec et on met Transparence. Et là, on valide. Ce qui va nous ouvrir une nouvelle image. Donc, je vais essayer d'afficher ça. Hein, c'est un peu moche. Hop, hop. Ajouter capture de fenêtre. Voilà. Donc, on a ça. On a ça quand on a créé cette image là de 8192 fois 4096. On a ça. Donc ça c'est voilà, c'est ce que vous voyez en fond chez moi en fait en violet. C'est la taille exacte du truc au millimètre près. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va dans cette image et vous voyez là je bouge ma souris. Bon ma souris elle s'affiche pas. Donc je vais mettre capturer le curseur de la souris. Voilà. Donc là, je vais aller tout simplement dans Fichier, je vais faire ouvrir une image. Et là, j'ouvre l'image donc qu'on a faite. Donc là, elle s'est affichée sur mon écran, hein, en deuxième page de GIMP. Donc bon, je ne vais pas vous l'afficher. Donc on clique dessus, enfin en haut sur le truc, sur la fenêtre. On clique en haut de la fenêtre de cette image. Et on fait CTRL-C pour copier. Et maintenant, on clique sur cette image-là, enfin sur le truc au-dessus, c'est-à-dire ouais, la barre fenêtrée. Et on fait CTRL-V pour coller. Voilà, comme vous voyez, il y a un petit truc qui s'est affiché. Donc l'image de base était petite, donc ça va faire une mauvaise qualité. Mais on s'en fout. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la boîte d'outils. Et on va faire outils de mise à l'échelle ou m'acheter comme vous voulez, c'est pareil. Et on clique sur l'image et là on la redimensionne comme on veut pour le stage Worms. Donc on va redimensionner ouais, en full. On la met full, voilà, full, full, full. C'est-à-dire en gros, ça fera vraiment une grande map, très grande map pour Worms. Voilà. Voilà.
Donc maintenant on fait enregistrer. Ah non, 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 j'ai dit une bêtise. Non, maintenant on fait échelle pour que ça se mette à l'échelle. Voilà. Donc c'est fini quasiment là. Là on a fait déjà le plus dur. Donc on a notre map qu'on a remis sur les dimensions qu'il faut. Donc maintenant on fait fichier. On fait enregistrer. Bon, on va essayer de la nommer bien. Donc super SMW Yoshi. Alors on va l'appeler Yoshi. SMW Yoshi. OK. Donc là, ça enregistre. Et maintenant, là, ça va être le plus important. Il va falloir vraiment l'exporter à un endroit où on peut se repérer puisque c'est l'image finale. Donc il faudrait faire un petit dossier pour les images finales. Pour pas que vous mélangiez les maquettes avec ce qui est fini et tout. Bon, ça va vous le voir. Donc moi, où je vais la foutre? Dans bureau, images et worms images. Au moins, je suis sûr. Ça, c'est la finition. Il faut absolument que ce soit en PNG. Hein. Je tiens à le répéter quand même. Donc quand vous exportez l'image, il faut qu'il y ait Save Background Color de cocher, Save Résolution de cocher, Save Creation Time de cocher et Save Color Value from Transparent Pixel de cocher. Compression Level niveau 9 maximum. Exporter. Voilà. Une fois que vous avez cette image, donc là vous pouvez fermer GIMP. Vous pouvez le fermer complètement. Donc là moi c'est en train d'exporter, il y a une petite barre verte de merde. Donc on attend, mais c'est bientôt fini. Voilà. Donc on ferme GIMP, hein, comme on l'a dit. Et là, on ouvre l'éditeur de map Worms, qui est là. Donc moi, sur la droite de l'éditeur, j'ai Word Info, hein, bien sûr, hein, vous l'avez aussi. Property value word bar d'un oula, je répète, word base information name, no name, description, il n'y a rien de marqué, thème Orient, is a cavern, false, et on peut cocher. Donc à quoi ça sert tout ça? Alors, is a cavern, si on coche dans false, ça met une bordure autour, comme vous voyez. Donc indestructible, donc en gros, voilà, c'est le mode caverne de Worms, hein, comme dans tous les Worms. C'est-à-dire on ne peut pas s'envoler trop loin et les objets ne poperont pas du ciel, mais au hasard à l'intérieur. Donc c'est bien quand vous faites de grandes maps, si vous voulez pas que les objets tombent tout le temps du ciel, c'est pas mal de faire une caverne. Donc moi, bon, je vais l'enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans File, faire Import Landscape. Donc c'est l'image qu'on a faite en fait. Donc vous cherchez votre l'image finale. Hein. Donc moi je vais aller dans image Worms image et on va chercher. Voilà, il est là. Donc on fait OK. Hein. Bon, ça pas difficile. Voilà. Donc là le fond est violet avec l'eau qui est violette et tout. C'est le thème Orient en fait. Donc il suffit d'aller à droite, hein, ce que vous ne pouvez pas voir, hein, mais bon, je vous ai dit. Vous allez dans Thème et vous pouvez changer. Donc il y a Rainforest, Downtown, Frontières, Motherland, Countryside et Orient. Donc Countryside par exemple, c'est cette couleur, donc ça fait vraiment bien, moi je trouve, pour du Super Mario World. Après il y a mieux, hein, il y a du blanc. Donc je pense que je vais prendre celle-là, moi, Motherland, Frontières, Downtown. Et Rainforest. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Moi, avant, je faisais tout en violet, je mettais tout le temps en orient parce que je savais pas ça. Je savais pas qu'on pouvait changer les couleurs de fond et l'image de la mer. Donc c'est très très bien ça. Donc voilà. Après la description, il n'y a pas besoin d'en mettre une. Ce qui est important, c'est le thème. Est-ce que c'est une caverne ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on coche ça ou pas? Voilà. Donc une fois que vous êtes décidé, vous faites publier. Donc ça va vous mettre, là ça je peux vous l'afficher facilement. Donc ça vous met une fenêtre de publication qui est ici. Donc sur cette fenêtre de publication, il y a en gros tout en haut. Vous pouvez, si vous avez déjà uploadé des niveaux, ça c'est les niveaux que j'ai créés en fait.
Si vous avez déjà créé des niveaux et que vous voulez les updater, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs, que vous les avez corrigées et que vous voulez pas uploader un nouveau fichier, mais par-dessus sur le workshop, vous faites ça. Bien sûr, si vous voulez publier un nouveau fichier tout court, c'est-à-dire que c'est une nouvelle image, voilà, une nouvelle image, un nouveau stage, là, il n'y a pas besoin de choisir ce que vous avez déjà fait. Hein. Ça, c'est juste pour update, c'est-à-dire mettre à jour votre niveau si il a des défauts et vous voulez le rendre mieux. Donc voilà, no publish a new content. Donc non, je veux publier un nouveau stage, on va dire. Donc, Super Mario World, on va pas se faire chier. Stage, voilà, Super Mario World Stage. Description, lolilol. Voilà, et donc ça, Preview Image, ça permet de choisir une image sur son bureau avec les petites flèches, enfin les trois petits points, ou alors de faire directement une capture d'écran via le logiciel. Donc moi, je conseille le S, Take a Snapshot. Ça va prendre un snapshot du niveau. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à uploader, hein, c'est bon. Donc là, par contre, ça prend pas mal de temps. Ça prend, on va dire que ça prend bien 10 minutes. Enfin, non, 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 je déconne. Ça prend 5 minutes. Bon, donc là, je vais couper mon tuto, mais je vais vous montrer un peu où vous trouvez ça. Donc, on va faire Steam. On va aller sur notre profil, tout simplement. Donc, je vais afficher ça quand même. Une fenêtre de plus, une fenêtre de moins, c'est pas grave. Voilà. Donc là, nous avons notre profil. Hein. Donc, on va aller dans Objet du workshop. Et là, on a tous les trucs qu'on a fait. Hein. Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir nos maps dans Worms, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, on s'abonne à la map, en fait, sur le workshop. Et une fois qu'on est abonné, on peut aller dans le jeu et la télécharger. Donc, ce qu'il faut faire, hein, bon, moi, je vais vous montrer comment on va dans le jeu et prendre les maps quand même. Donc on fait... Ah merde! Ah mais je peux pas. Je peux pas, il y a l'éditeur de lancer. Bon, je vais quand même essayer de lancer le jeu. On sait pas. Non, le jeu ne veut pas se lancer vu que l'éditeur est lancé. Bon, ben, dans tous les cas, vous allez dans le multiplayer, quand il y a la map, vous choisissez votre map. Enfin non, vous pouvez faire rafraîchir et quand vous faites rafraîchir, ça va vous proposer de télécharger votre map. Voilà, c'est un peu brouillon tout ce que j'ai dit. Ah ben tiens, ma map est uploadée. Donc je vais pouvoir le montrer. Parce que bon, c'est sûr que là, c'est vraiment brouillon, brouillon. Donc, on lance Worms. Oh putain, il y a des mises à jour maintenant. Oh mon Dieu. Putain, j'adore faire des tutos. Putain, ouais, ça télécharge bien une mise à jour. Putain, mes tutos improvisés, ça me fait chier. Bon, désolé, hein. Un tuto de 14 minutes. Là, on en est à 14 minutes de blabla. Mais bon, je vous ai déjà montré le plus important. Vous pouvez déjà quitter. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer comment télécharger votre map via le jeu. Mais on va oublier. On va oublier. Je viens de voir que le téléchargement de la mise à jour prend 10 minutes. Donc voilà, désolé de vous avoir fait perdre votre temps et j'espère que vous avez appris quelque chose parmi tout ce bordel. Hein. Des bisous. Voilà.